Salut à tous, c'est un go, on se retrouve pour la suite sur Surviving Mars. Donc, comme prévu, on va essayer dans cet épisode de s'occuper du nouveau dôme. Alors, j'ai réfléchi un petit peu déjà ici. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un dôme tonneau et un micro dôme. On verra comment on se stabilise par la suite, mais étant donné qu'on peut pas mettre de flèches dans ces dômes là, j'ai un doute. Après, il y a tellement à faire ici. On verra comment ça se passe, mais déjà, je vais mettre en pause. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le dôme triangle ici que j'avais prévu à la base. Je vais laisser un petit peu d'espace quand même là. Hop, on va le mettre comme ça. Je relance tranquillement. On va le mettre en prio haute qui me le termine. Par contre, il va falloir que je les relie. Alors pour ça, on va devoir dégager... Je vais dégager le jardin ici, hein. Je vais pas dégager quoi que ce soit d'autre. On pourra en remettre des petits, hein, c'est pas grave. Ce qu'il va falloir prévoir, je pense, alors j'aimerais bien, pour combler les emplois au maximum, c'est déjà on va remettre une ferme. Alors, je crois qu'on a aussi les fermes spongiques dispo maintenant. Shop d'art, ah oui, c'est la petite boutique d'art. Ah ouais, ça pourrait peut-être... Ah, ça pourrait être intéressant presque ça, ouais. On va voir. Alors, normalement, de toute façon. On va les laisser terminer ici. Petit bar de l'espace aussi. Oh, on a mis un gros bar quand même. Étant donné qu'on va relier les deux dômes, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ça, c'est pas mal aussi. J'hésite en fait entre mettre deux complexes d'habitation dedans. Ça va faire quand même 24 gars en plus. Après, je compte ramener une petite usine pour commencer de pièces détachées. On pourra peut-être faire évoluer les dômes par la suite, si on en rajoute un même à côté, je sais pas, on va voir. Et après, par la suite, ouais, s'occuper par contre de ce côté-là, ça va être costaud, là. Alors que bien je prévois mon coup pour ramener à 7 gars d'un coup, peut-être deux navettes carrément, hein, direct. On verra. Ok, on va accélérer un petit peu. Qui me termine le dôme là. Je cherche des drones élevés. Ouais, je sais qu'il y a du taf, mais ce qui est bien, c'est que là, on a les deux réseaux qui sont proches. Ah, on a encore de l'eau ici. Waouh. Alors, on en est où là, au niveau des scans? Ouais, ok. Je pense qu'on va pouvoir faire ça après. Toutes ces zones là et les rocheuses, il y aura rien. Hein. Donc ce sera pour plus tard, on va terminer tout ce camp là et on commencera à faire les parties en hauteur après. Ah, c'est horrible parce qu'en fait j'ai envie d'aller vite, de voir et de progresser, faire progresser la colonie, la map quoi. Mais bon, faut prendre son temps, faut que je joue en mode tranquille, faut que je continue à me dire ça et que je le fasse. Profiter du jeu, c'est l'objectif hein, de toute façon. Ok, ils vont avoir terminé, impeccable. Alors... je m'en pose. Donc sur notre dôme, déjà on va mettre ça, je les ai pas encore. D'ailleurs sur la techno, ouais, ça va pas être tout de suite. Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ça c'est cool, mais ça commence à coûter cher et ça va pas être pour tout de suite. Bon, je vais débloquer ça. On va débloquer toutes les premières techno là, tant pis. Ça c'est un peu cher encore. Donc un complexe d'habitation. Ça c'est sûr. Alors par contre, attention. Pas que je fasse le con là. Où est-ce que c'est? Ici, passage. Donc, on va faire un passage. C'est pas vrai, il va pas vouloir. Il se fout de moi ou quoi? Ah,
Quand même. Donc, on va relier les deux dômes comme ça. D'ailleurs, au fait, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai changé mon clavier. Enfin, j'ai mon nouveau clavier mécanique optique. D'ailleurs, qui n'est pas mécanique, mais optique. Qui fait du bruit, donc je change quand je fais des let's play. J'ai repris l'ancien. Parce que ça m'a supporté, en fait, sur mes vidéos. Donc, je pense que ce sera mieux comme ça. Ok, donc là, on aura les deux dômes reliés. Donc, parfait. Parfait, parfait. Faudra peut-être que je mette un pont ici. Est-ce que je vais pouvoir d'ailleurs? Obstacle, obstacle. Non, bah de toute façon, j'en aurai pas besoin. On aura pas trop besoin de passer là, je pense. Enfin, du moins les véhicules ou les drones. Pire, ils feront le tour, c'est pas grave. Mais normalement, il y aura pas besoin. Donc, je sais pas trop quoi mettre en fait de plus, mis à part. Alors, déjà ici. Ça dépend un petit peu de leur manque, mais une échoppe d'art, ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas quelle taille font les petites. Alors, attendez, ouais, ce qu'on va faire peut-être. Faudrait presque que j'envoie la fusée, mais faudrait que le dôme soit quand même opérationnel. Sinon, ça me paraît un peu tendu. Ça me paraît un peu tendu. Bon, les logements, c'est certain. Un poste de sécurité, est-ce que... Ouais, je sais pas trop. Alors, je pourrais rajouter une ferme. Ouais, ça pourrait être pas mal, hein, surtout qu'il y a une techno derrière qui va nous être utile. Si on rajoute du monde... On va le mettre comme ça. Je pense que c'est nécessaire. Après, au niveau de l'emplacement de la petite usine d'électronique, je sais pas trop ça. Donc va falloir voir. Par contre, ça va être essentiel. Alors. Ok, là ça ne va pas gêner, donc c'est top. On va faire ça comme ça. Ok, on va relier ici. Je vais relancer tout doucement pour qu'ils avancent. Alors, j'ai l'impression que... Attendez, je vais faire un petit truc parce que j'ai l'impression que le son du jeu est super fort par moment. Ok, alors, on va continuer parce qu'on va avoir besoin. On va setup le truc hein, comme il faut quand même. Ça risque d'être un peu moche dans le coin quand même, hein, mais bon. On va rajouter un réservoir d'oxygène. Il se remplit bien d'ailleurs, c'est cool ça. Un réservoir d'eau. Great dust storm approaching. Tempête de poussière encore. Ici il sera bon, ok. Et on va se mettre peut-être un petit accumulateur d'énergie. Je pense que c'est déjà pas mal. J'en ai combien là d'ailleurs? J'en ai mis 2 ici, 3 là, je vais en rajouter un de ce côté. Stocker l'énergie c'est quand même... pas trop dégueulasse, par contre c'est juste à côté de la plateforme d'atterrissage, je pense pas que ça pose problème. Mais bon. On a reçu des thunes. Ouais, ça va faire du bien de recevoir des gars là. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour construire, donc on va s'occuper de la fusée. Il va nous falloir même 2 fusées. Hein. Quand même plus de 100 postulants, c'est pas dégueulasse. Hein.
commence à avoir. Alors. Quel problème avec lui? Ah, elle est sexy. Enthousiaste. On va la lancer comme ça, je pense. Je vais pas me prendre la tête au niveau de leur trait et tout, de toute façon. Ça fait partie du jeu. On a 4 botanistes, 3 ingénieurs, 1 géologue. Ça, par contre, c'est pas fou. Mais j'ai pas trop le choix avec mes filtres actuels. C'est pas grave. Lancer quand même. De toute façon, ça va être fini, ça. Ça va être la prio. Hop, c'est parti. Avec tout ça d'ailleurs. Hein. Il va falloir qu'ils me terminent tout ça très vite. Hein. C'est même ça les prios en fait. Les gars là. Hop. Surtout au niveau de l'oxygène et du tank. Bon, on a tous nos petits drones à côté qui vont bosser, donc ça va le faire. Et on va prévoir une fusée cargo. Donc avec. Une petite usine, on a dit. Hein. L'usine à polymère, ça pourrait commencer à être intéressant d'en fabriquer aussi, peut-être. On est quand même bien à ce niveau-là. Hein. Donc, ça va nous consommer de l'eau en plus. Je préfère reprendre à la limite de vaporisateur. On va reprendre deux réseaux de drones avec nous. Je crois que j'en ai un de dispo encore, je sais plus. Bon, on en aura deux au moins. Non, je crois que j'en ai plus de dispo. Bon, au moins, on est pas mal comme ça. J'ai presque envie de prendre deux Stirling. Ça coûte une blingue, les Stirling. Ouais, on va attendre un petit peu. Il m'en reste un en plus. Si je peux l'attribuer au dôme, ce sera très bien. L'usine d'électronique, est-ce qu'une petite... Ouais, je pourrais pas la mettre. J'espère que je pourrais mettre celle-ci d'ailleurs, je sais pas combien de cases ça prend. Ouais, ça va commencer à baisser, hein. Je vais la prendre. Je vais la prendre comme ça. Les rovers sont cool. Alors je crois que je peux en gagner avec une mission. Donc je vais peut-être attendre un peu. Je vais ramener de la bouffe. Ça fera du stock. Hein. Sur les métaux, on est pas mal. Vu qu'on va avoir des gars qui vont arriver, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. On va la lancer comme ça, allez, c'est parti. Faut juste qu'il termine tout ça avant assez vite. Normalement, ça devrait le faire, il n'y a pas 100 000 trucs. C'est déjà en train de construire ici. Je croise les doigts pour que l'usine soit assez... elle passe ici. Normalement, c'est le cas. Hein. Je pense qu'elle fera 3. Je pourrais la mettre au milieu. Ici, on a à peu près tout. Faut juste que nos petits drones bossent. Allez, on va accélérer un petit peu. Là, on commence à avoir bien stocké aussi, hein. Je pourrais mettre peut-être un dépôt universel, j'ai pas trop envie d'en mettre, mais... Peut-être qu'il ferait pas de mal. Allez, je vais en mettre un. Ça m'évitera de, au cas où je le vois pas, qu'ils peuvent plus stocker, ils pourront mettre là. Même si ça m'enchante pas plus que ça, ce genre de dépôt. Et là, ça va être un sacré chantier aussi. Hein.
Alors, est-ce un drone terminé? D'accord. Ah, on va avoir les 6 nouvelles anomalies, ça va être cool. Ça, c'est top. Ça, je vais le débloquer aussi. À un moment donné, il va falloir que je me focus pas mal sur l'ingénierie, la robotique aussi. Ah oui, là, je peux construire mes propres réseaux de drones. Ça, ça va être intéressant. Mais bon, j'en ai deux qui arrivent, donc on va le débloquer, bien sûr, mais on va pouvoir attendre un peu. Ok, alors on l'a mis comment, lui? On l'a mis comme ça. Hop. Culture de semences. Alors on va plutôt faire ça. 40, 17, 5 sols, 2 sols. On va mettre... ouais, j'ai envie de se tester comme ça. Semences, blé et soja. Je vais mettre semences ici d'ailleurs, vu qu'on a des patates qui pourrissent le sol ici. Je pense que ce sera plus intéressant. Alors j'avais coupé ici le travail, j'avais bien fait. Je pense que ma petite erreur, enfin ma petite, ça a été de cette ferme hydroponique là. D'ailleurs en fait je suis en train de me dire que j'aurais presque pu la dégager. Et faire un truc plus court ici. On va voir. On va voir dès que les navettes seront là. Je pourrais raménager peut-être un petit peu le dôme. C'est bizarre comme ça, je trouve. Ouais, je préfère comme ça. Bon, les fusées vont arriver avec nos gars et nos chargements. Ils ont tout terminé ici. Au niveau de la flotte, c'est ok. Allez, on fait atterrir les deux. Ah, c'est excellent. Allez, vite, vite à l'abri, les gars. Putain, ils arrivent au moment où la tempête arrive, quoi. C'est chaud, hein. Nouveau secteur scanné, parfait. Gisement de béton, c'était où? Ah oui, ici, d'accord. Bon, personne s'est barré ce coup-ci, ça fait plaisir. Ils sont comment là? 9 sur 14. D'accord. Moi, ce que je veux maintenant, c'est mettre en pause déjà. Donc, petite usine. Ouais, parfait. Trop cool. Ça, c'est trop cool. Ah oui, puis j'aurais même... d'accord. Vous savez quoi, je vais la mettre là du coup. On va la mettre là. On a deux vaporisateurs. Je pense que je vais pouvoir en commencer à en caler là aussi. Ouais, là et même, en fait, je suis en train de me dire... je pourrais les mettre ici même. Normalement ça gênera pas là. On a l'air ok. Ça m'a l'air ok. Quand même deux réservoirs, quatre vaporisateurs d'eau. Là, on va être cool. Hein. Ça va être cool, j'espère. Là, on passe à moins 1. Ouais, bon, l'énergie, c'est ok. Tac, tac, tac. Fuite détectée. Ça va être réparé. Du coup,
on a commencé à on a peut-être tiré un peu sur les batteries, même pas. Peut-être sur certaines, mais là, franchement, je me fais pas de soucis quoi. D'ailleurs, les batteries, je suis en train d'en mettre pas mal, mais ouais, maintenant sans polymère. Attention quand même. Je vais essayer d'en mettre 2 pour chaque dôme en gros. Et 3 là où il y a les zones de production. Je sais pas trop, hein, c'est un peu au pifomètre hein, ce que je fais là, mais on va faire ça comme ça. Je pense que là on va être pas mal au niveau de l'emploi, ça fait plaisir. Il y a déjà des gars qui bossent dans la petite usine. Donc c'est vraiment top quoi. Et là ici ça bosse aussi j'espère, ouais, super. Bon, on va mettre le sterling qui me reste. Vous savez quoi, je vais le mettre ici, en priorité. Le truc c'est que j'ai l'impression qu'il stocke avant dans les dépôts universels. Ça c'est un peu chiant mais bon. C'est pas grave. Allez, on va l'ouvrir. En termes d'énergie, ça va être top. On va voir comment on est en bouffe parce que ça se trouve on pourra retirer comme je disais la ferme hydroponique là. Je peux mettre un petit étang ici peut-être. On va le faire. On va essayer de leur apporter du bien-être quand même. Je pense que... Ouais, l'école c'est trop grand. Ouais, bien sûr c'est trop grand. De toute façon on n'a qu'une crèche pour le moment. Donc c'est pas un problème. J'ai pas envie de rajouter un labo de recherche. Étant donné que ce sera plutôt de l'autre côté. Le booster recherche d'ailleurs à terme je pense que celui-là dégagera. Terrain de jeu. Un terrain de jeu serait peut-être pas dégueulasse pour les gamins. D'ailleurs, à ce niveau-là, je voulais regarder un petit truc sur les jalons. On n'a pas une essence encore. Je vais prévoir un terrain de jeu. On a mis une crèche quand même. Du coup, ouais, il aurait été mieux là, hein, le terrain de jeu, mais bon. Je vais peut-être rajouter une petite épicerie. Et on sera bon hein, pour ce dôme-là, je pense. Ils sont reliés, donc ça devrait le faire, mais je mets quand même 2 épiceries, c'est la base. Waouh, et même malgré ça, là, on a du mal. Bosse à combien là-dedans? Là, 3, ouais. Je veux pas que ça aille plus que ça. À la fuite, les gars, réparez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Je pense que c'est dû à la tempête. Il reste encore de la bouffe là-dedans. Ils auraient dû faire une priorité sur celle-ci. Ça aurait été bien. D'ailleurs, toi, tu emporteras pas de... Si, remarque, tu peux. Ça va être pareil, de toute façon, on va les renvoyer quasiment toutes les deux en même temps. Ressources faibles non, je crois pas. Alors, on en utilise là pour la maintenance, mais on va commencer à en produire. Alors... L'Europe va scanner une anomalie planétaire. Ok. D'ailleurs, ils ont du monde ou pas là? Oh waouh! Ils ont déjà 48 mecs chacun quoi. Ils en avaient pas au début, puis d'un coup ils sont blindés.
D'accord. Ouais, ok. Putain, du coup, ils avaient du retard, ils ont pris de l'avance, quoi. C'est assez ouf, ça. Ouais, ce qui veut dire que là... Je pourrais ramener une fusée avec des gars, quoi. Tac tac, allez, retour sur Terre. Ah oui. Putain, faut que la tempête de poussière se termine, quoi. Ouais, je vais ramener 12 gars direct encore, je crois. Et je pense qu'on sera plutôt bien. Ouais, les tempêtes de poussière foutent le bordel. Après, on a les tanks, hein. On a les tanks. Ça mériterait d'en avoir peut-être un de plus. Je vais en demander un ici. Je vais en demander un ici. Et d'ailleurs, on va la poser un peu plus tard, hein, parce que là on a des petits problèmes d'eau, mais l'usine à polymère, ça va être pareil. Je sais pas trop où on va la mettre d'ailleurs. Sector scanned. Anomaly found. Ah. Curiosity. Putain, tu vas servir à quelque chose parce que ça fait un petit moment que tu sers à rien. Ce serait bien qu'elle passe. Ouais, c'est incroyable comment ils avaient personne au début. D'un coup, ils ont ramené du monde, quoi. C'est assez ouf. Par contre, attention à l'oxygène là. Les technos s'avancent, donc c'est impeccable. Ça par contre c'est cool aussi. Ah. Ouais, du coup ils mettent la pression un peu les mecs. Putain, toujours pas... Ah, ça dure, hein, les tempêtes de poussière. C'est assez dingue. Bon, les gars ont l'air plutôt pas mal quand même. J'espère que ça va continuer. Sur la bouffe, on va être bon aussi, hein, je pense. C'est l'heure de s'être calmé. Putain, toujours pas, hein, c'est ouf. Breakthrough discovered. Le cerveau. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Le cerveau. Positronique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, permet la construction de biorobots dans l'usine à drones. Les biorobots mangent et peuvent développer des traits. Ils ne peuvent pas se reproduire ou mourir de vieillesse. Ouh. Putain. C'est assez stylé, ça, je trouve. Je vais prendre ça avant, là. Je vais monter ça. On va mettre ça aussi. Ok. Bon, j'aimerais terminer l'épisode au moins qu'on termine ça là. Renvoyer les fusées. Les deux ont fait le plein de carburant et partent en plus avec un peu de thunes. Donc c'est très bien. Il y a toujours des petits problèmes sur certaines boutiques là. Hein. C'est assez ouf. Bon, après j'ai deux épiceries, c'est peut-être trop, hein. Il y en a une qui bosse là. Nouveau financement, je vais ramener du monde, hein. Ok, elles sont prêtes. Allez, ça dégage. Je vais ramener dès le prochain épisode direct, je vais ramener
directement. Bah, même maintenant, vous savez quoi? Allez, je fais durer un peu. Si je ramène 12 gars là. 11 sur 12, on n'a pas plus de gars. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit agent là? Ouais, ça c'est même trop là. Tranquille quand même. On aurait deux agents. Hypochondriaque. Oula, alcoolique, non, merci. Ouais, j'hésite. Lui, il est pas mal. Allez, on la lance. Ah non! Comment ça, je peux accueillir 5 nouveaux résidents? Attendez, je me suis trompé ou quoi? Je me suis trompé quelque part? Là, il y a 5 places et là on a plus de place du tout. 4-4. 14-14. Ah oui, d'accord, ok. Non, je croyais qu'on en avait plus que ça. N'empêche qu'on peut peut-être l'envoyer quand même. On va envoyer. Alors, je pense que je vais. Un botaniste, un géologue, un ingénieur, un scientifique. Ouais, je vais plutôt prendre lui. On va avoir besoin d'ingénieurs quand même là. J'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de botanistes. Ouais. Allez, on la lance comme ça. J'espère que c'est pas une connerie, mais je pense pas. De toute façon, il reste de la place, hein, donc. Ça va le faire, j'espère qu'on va avoir des naissances. De toute façon, les gamins vivent dans les crèches ou dans les écoles, si je dis pas de bêtises. Par contre, il va presque falloir avoir un nouveau dôme aussi pour mettre une école. Et le reste, on verra. Y a un truc dont je me souviens plus, c'est les usines à polymères. Ouais, ça demande des travailleurs. Ouais, ça demande du monde. Je vais pas la poser tout de suite. J'avais un doute. Mais effectivement, il va falloir attendre un peu. Il va falloir attendre un peu. Passerait là. Ça ferait une belle zone hein, déjà. Bon, ça va, il y a du stock. On est pas mal hein. Franchement on est pas mal. Ils sont un peu poussiéreux hein. Alors j'ai plein de petits drones qui ont l'air de se faire chier. Il n'y a pas besoin si il va bientôt y avoir besoin de maintenance quand même. Donc attention. Avant de se quitter je vais juste regarder un truc. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Je pense qu'il n'y a plus besoin de les avoir dans le coin, je vais les ramener quand même. D'ailleurs, toi... Ah bah, parfait. Hop, il y a plein de polymères ici. On va lui demander de prendre tout ce qu'il y a là, de le ramener là. Ça ira très bien. Et notre ami Pathfinder, on va le ramener là-bas, ouais. Allez, je booste un peu, on se fait l'arrivée des derniers colons dans cet épisode. Je pense qu'on sera pas mal. Sur l'oxygène, c'est ok, mais bon. Nos tanks se remplissent quand même, au cas où. Ouais, avec la petite chute qu'il y a eu,
Ouais, ils ont quand... on a quand même bien consommé, hein. Donc ça, on va peut-être prévoir un peu plus. Alors je sais pas si faire des circuits indépendants pour chaque dôme c'est important, mais vu que là ils sont reliés, je pense pas que ça soit important, au contraire. Wow, il bosse comme un dingue. Allez, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On commence à avoir bien stocké là dans la décharge. Là aussi d'ailleurs, tiens. Tant que je le vois. Research complete. Hop, on va en rajouter une là. Immeuble basse gravité. Ouais, j'aurais pu le faire. Hein. Si je le pète là, à mon avis, c'est la cata. Je suis étonné de ne pas avoir une naissance sur Mars encore d'ailleurs. Peut-être que l'école est vraiment nécessaire. Ils ont l'air ok quand même tous. Hein. Luxe shopping principalement qui leur manque. Et une nouvelle anneau. Alors Curiosity, je crois qu'il avait fini sur la sienne hein, là-haut. Ouais, je sais même pas ce qu'on a vu d'ailleurs. Funding received. Encore des thunes. Ah, ils vont vite, hein. Ils vont super vite. Je vais commencer à lancer peut-être des petites missions là. Commandant, c'est intéressant télécommander parce que ouais, remarque, on aura la fumée, la fusée, les réseaux de drones. 5 docteurs, non. Au moins un, j'espère. C'est dingue comment d'un coup ils ont progressé quoi. Géologue, transport télécommandé, ça c'est super cool. Hein. Voilà, il faudrait emmener le commandant. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça, tiens? On va peut-être faire ça avec la fusée quand elle va arriver. Ouais, on fera ça, je pense. Allez, on la pose, on termine. Commence à descendre. Hein. New colonists have arrived. Ok, on va laisser charger en carburant et je pense qu'on va envoyer une mission. Pathfinder. Ok, on va le mettre en priorité hôtel. Et là, ça va être cool, hein, je pense. On va être pas mal. Hein. J'espère que là, ils vont quand même bien se partager. J'aimerais quand même augmenter. Là, ils ont du mal hein, avec ça. Hein. C'est fou. On a 5 nouveaux bonhommes. J'ai envie de fermer ça là. Ça m'agace un peu, ce bâtiment. Je pense pas qu'on en a besoin en plus au niveau de la bouffe avec 2 fermes. Et je pense que je mettrai une ferme. Fongique. Dîner, luxe social, jeu. Bon, un bâtiment qui fonctionne pas. À dîner, on a quand même le resto. Je pourrais l'activer, mais travail de nuit, c'est pas fou. Ouais, les pertes de la santé mentale, je préfère éviter. We
Centre de contrôle, nous avons découvert une pile de matériaux utiles et précieux dans les débris d'une petite météorite. 30 métaux rares. Oh, wow. Cool. Ouais, j'ai presque envie de le dégager d'ailleurs ce truc là. Ouais non, je vais pas faire ça parce que je pourrais pas l'enlever encore, il va falloir que j'ai la techno. On est en train de la rechercher mais ouais, ça va être pas mal. Ok, bon allez, j'arrête là l'épisode, ça fait bien 40 minutes je pense qu'on est dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu, on a bien progressé, on va continuer à essayer de stabiliser ça. Je vais commencer à réfléchir à comment setup ce coin là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu une fois de plus. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous!